Rodney Joseph, fait cap haïtien Haïti, grandi États-Unis. Li se yon vétéran dans l'armée américaine. Yon édicateur, Veywa Kriol te rencontré pour yon chita parler sous affaires zam, à qui facilité moun ka acheter yon série de gros armes États-Unis. Comment gros calibre zam sa yo entre Haïti? Ancien militaire a répondu Veywa. Plus gros zam nan plus long lié, plus facile, plus vinde ni plus petit. Ça veut dire 9 mm gen moun ki gen 9 mm kap pote 9 mm 40 ki pa jam ouvè yon. Et parce que pas connu comment pour ouvrir mécanisme non. Mais sous gayon M4, yon Kalachnikov, yo plus facile pour retirer chaque morceau. Chaque morceau ou ka vrai chaque morceau non boîte même. Ça vient plus difficile pour que ou ka contrôler. Gon l'autre bagay encore. Monsieur pas acheter zam nan long. Il acheter zam nan pas morceau parce que l'ol nan chan de tilan, c'est le courant l'abattoir, l'ol aller nan gun show. Moun sa vend des armes, moun sa vend bouche zam nan, moun sa vend gâchette là, moun sa vend lens là, chaque moun ou ka acheter qui pap mande pour yo faire yon background check. Si quelqu'un on zam là qui vend 10 000 $. Si ou pa l'acheter le pa morceau de vie morceau a pas coûter plus que $600 à toute taxe, dile qui vend ni en pa gen autorisation pour rapporter ça. Ça veut dire, on a acheté des âmes, ils font l'attache ton morceau, ils font l'attache ton morceau, ils ont chaque acheté ton morceau aux âmes, mais ce sont ces âmes, ils ont voulu 10 adresses. Et puis, mais comment ils ont acheté, tant que moi, M60 haïtien là. Pour acheter un M60 ici là, il y a un pile même américain qui n'a pas de bonne autorisation pour acheter. Mais qui n'a pas de record. Mais pour Haïti, c'est celle-là qui fait ça pour acheter. Les âmes sont plus illicites que les drogues parce qu'ils sont plus faciles à transporter et plus facile à obtenir. Ça veut dire ou prend drogue ou prend zam, vini c'est dans même famille là oui. Parce que des produits illicites ça yo ou pas qu'à contrôler ou pas pas un monde un gouvernement dans monde là qui qu'à contrôler système ça. Pas gagne même. Zam et drogue c'est des produits qui pas qu'à contrôler d'après ancien militaire. Comment Haïti ka fait pour bloquer quantité zam cap entre yo? Cap vinn mettre la trouble là dans mitan population. Vétéran l'armée américaine nan ap di nou plis. Pas parler de l'état américain parce que l'état américain pas zam kap antre. De zam kap soti, c'est plus bon pour yo. Si tout zam illégal. Plus bon pour yo depuis son zam kap soti parce que moins problème pour yo. C'est l'état ici konya la qui pour soi demande à l'état gouvernement américain pour dire que nous gon problème là. Nous gon problème qui en danger vi nous tout. Nous avons un problème qui est en danger vie tout si moun nous. Mais qui ça? Moi-même, je veux faire. Mais comment on peut aider? Parce que si que chaque balle qui sort ici, là, premièrement, il y a des bagages à l'état ici qu'a fait. Mettez quand sur vous, comment cette année, moun qui produit zami sur la justice. Si ça n'a pas travaillé, vous avez fait approche amicale, demandez aide à ATF. Mande aide US Marshall, mande aide UCIS, mande aide DHSI. Parce que c'est eux-mêmes qui ont chargé l'investigation pour les armes illicites. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la Voix de l'Amérique.